Je présente Marion Tissier-Raffin rapidement pour dire qu'elle est maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Je ne sais pas si tu es membre du JUSTI. Non. Alors peut-être pas encore membre du JUSTI. Fait un mémoire de recherche sur l'externalisation des procédures d'asile, donc ce qui explique qu'elle a sa place très naturelle ici. Auteur d'une thèse sur l'article 1er de la Convention de Genève, qui comporte tous les concepts de rattachement ou d'exclusion au bénéfice de la protection de réfugiés. Elle a dirigé un livre sur le droit d'asile qui réunit des experts des différents domaines, que je n'ai pas lu, mais que je lirai certainement, puisqu'apparemment l'approche interdisciplinaire est très, qui m'intéresse beaucoup et est abordée, politique, juridique, anthropologie, psychologie, philosophique. Et donc, elle va nous parler de la réinstallation. 30 minutes. Bonjour à tous. Donc je suis vraiment ravie d'être ici parmi vous pour échanger donc sur ce sujet de l'externalisation et plus précisément de la réinstallation. Je remercie évidemment tous les organisateurs de cette journée. Et comme cela vient d'être dit, je me sens quand même particulièrement bien entourée. Entre Danielle Locha, qui a donc été ma directrice de master, de mémoire en master, qui portait sur l'externalisation, et Jean Matringe, qui était l'un de mes deux rapporteurs de thèse, donc je me sens plutôt, j'espère, en confiance. Alors, commençons tout de suite. Est-ce que ça, on peut passer? On va commencer par le début. Avant même de définir exactement et précisément la réinstallation, je voudrais, il me semble que c'est un petit peu utile de revenir sur le fait que cette procédure ou ces programmes de réinstallation font partie de ce qu'on appelle les modes d'entrée protégés ou des voies d'entrée protégées. En réalité, ces modes d'entrée protégés, ces voies d'entrée protégées regroupent l'ensemble des mécanismes qui permettent aux personnes ayant besoin d'une protection et qui se situent soit dans leur pays d'origine, soit dans un premier pays d'asile, soit dans un pays de transit, d'accéder légalement et donc de manière sûre et non risquée sur le territoire d'un État d'accueil. Donc, ces modes d'entrée protégée se caractérisent donc par deux critères essentiels. Le premier, c'est la localisation et l'identification des personnes à l'extérieur des frontières du pays d'accueil. Et ce deuxième critère, c'est le fait qu'on va organiser un accès légal. Souvent, on va leur remettre donc un visa et donc sécuriser de la personne depuis le pays d'origine, premier pays d'asile, vers un pays d'accueil, un pays de refuge. Alors, parmi ces modes d'entrée protégés se cachent en réalité plusieurs procédures. On a ce qu'on appelle la procédure de réinstallation à proprement parler. On a des procédures qu'on va plutôt appeler l'admission humanitaire. Et on peut aussi intégrer dans ces modes d'entrée protégés la délivrance de visas humanitaires. Alors, en réalité, la réinstallation et l'admission humanitaire sont des procédures qui sont quand même très très proches. Alors, si on commence par la réinstallation, elle correspond au transfert d'un quota de personnes, donc on a bien un quota en nombre fixé à l'avance, de personnes identifiées à l'avance, souvent par le HCR, dans un premier pays d'asile ou un pays de transit, à qui ensuite le pays d'accueil va accorder un visa pour le faire venir directement sur son sol et lui accorder automatiquement le statut de réfugié ou un statut de résident permanent, tout du moins. L'admission humanitaire, elle fonctionne aussi souvent sur la base de quotas. Elle permet également le transfert de personnes dont les besoins de protection ont souvent été pré-identifiés par le HCR. Mais la seule différence, et c'est là la grande différence avec la réinstallation, c'est que la demande d'asile, elle est instruite par l'administration du pays d'accueil depuis le pays de transit ou le pays de premier accueil.
Autrement dit, ça ressemble très fortement à ce que fait l'OFPRA, c'est-à-dire des missions foraines, puisqu'on a bien une pré-identification. Alors, ce sont les mots de Pascal Brice, hein, pré-identification, on ne dit pas pré-sélection, je vous laisse libre de choisir. Une pré-identification par le HCR, et ensuite ce sont bien des officiers de protection de l'OFPRA qui viennent sur place pour s'entretenir avec ces personnes pré-identifiées, et s'ils sont retenus, ils pourront accéder au territoire français. À côté de ces deux procédures, il existe donc aussi la possibilité pour les États d'accueil de délivrer des visas humanitaires, mais dans ces cas-là, ces visas sont donc délivrés dans les ambassades. Je voulais mentionner là, mais je n'en parlerai pas. Je parlerai uniquement de la réinstallation et de l'admission humanitaire, dans la mesure où ce sont deux procédures extrêmement proches. Je fais une petite précision supplémentaire. La réinstallation n'est pas la relocalisation. Vous le savez, la relocalisation, c'est un programme exclusivement européen qui avait été mis en place à l'automne 2015 et qui permet certes de transférer des personnes qui ont besoin de protection internationale vers un état d'accueil définitif, mais ces personnes-là se trouvent déjà sur le territoire européen. Alors que quand on parle de la réinstallation et de l'admission humanitaire, les personnes se trouvent bien à l'extérieur des frontières de l'Union européenne. Alors, quand on regarde sur le principe, et j'insiste bien, je dis bien sur le principe et en théorie, il est assez facile et évident de comprendre quels pourraient être les avantages des procédures de réinstallation ou d'admission humanitaire. En effet, elles permettent d'ouvrir des voies d'accès légales et sécurisées pour les personnes qui ont besoin d'être protégées sans que ces dernières n'aient besoin de franchir clandestinement et au péril de leur vie des frontières maritimes et terrestres dont on sait qu'elles sont de plus en plus bloquées. Sur le principe et en théorie aussi, je le rappelle, elle permettrait de concrétiser peut-être enfin le principe de solidarité internationale entre les États, tel que ce principe est écrit dans le préambule de la Convention de Genève de 1951, en établissant un partage plus équitable de la charge de l'accueil des réfugiés entre les États de premier asile et les pays de destination finale. Alors, ce qui est surprenant, première interpellation, c'est de constater quand même la multiplicité des acteurs, dont les intérêts sont quand même a priori divergents, qui semblent se prononcer en faveur de la mise en place de procédures de réinstallation, voire d'admission humanitaire. On commence tout d'abord par le HCR. Pour le HCR, la réinstallation fait partie de l'une des trois solutions durables, la première et la deuxième étant le rapatriement librement consenti et l'intégration sur place. Pour le HCR, la réinstallation est même l'ultime solution de protection, puisqu'elle doit être recherchée quand le retour dans le pays d'origine de la personne ou son intégration dans le premier pays d'asile n'est pas possible. Et on l'a vu assez récemment, le HCR multiplie les appels aux États pour qu'ils mettent en place des procédures de réinstallation et qu'ils augmentent le nombre de places ouvert pour ces personnes. On a aussi des ONG qui se sont prononcées sur le principe, en faveur de la réinstallation, au motif que cela permettrait de répartir, là encore, plus équitablement la charge de l'asile et d'offrir des solutions de protection effectives et durables pour les réfugiés. Du côté des instances onusiennes, même son de cloche. Alors là, je vous ai mis les propos de Peter Sutherland, mais on pourrait en citer d'autres, puisque même pour François Crépeau, la réinstallation est un mécanisme clé du développement d'un pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières,
Bref, la réinstallation apparaît comme une solution évidente. Sauf qu'on a d'autres acteurs qui se prononcent aussi en faveur de cette réinstallation, et là on va plutôt se placer du point de vue des pouvoirs publics et des États. On retrouve un appel à la mise en place de procédures de réinstallation dans la déclaration de New York de 2016. Paragraphe 78, il est écrit « Nous exhortons les États qui n'ont pas encore mis en place des programmes de réinstallation à envisager de le faire dans les meilleurs délais. » Le message est clair. Et alors j'y reviendrai un petit peu après. L'Europe aussi s'intéresse de plus en plus à la réinstallation. Elle a commencé à s'y intéresser, et c'est là que c'est assez étonnant, en même temps que l'externalisation dans les années 2000. Mais en tout cas, il est vrai que cet intérêt s'est accéléré ces dernières années. Donc on a tout d'abord eu la mise en place d'un premier programme de réinstallation volontaire. Donc c'est à la discrétion des États, c'est selon s'ils veulent se porter volontaires, d'un quota de 20 000 personnes pour faire face à la crise des réfugiés syriens en 2015. Ce programme s'est achevé à l'automne 2017 et effectivement on compterait un peu plus de 19 000 personnes réinstallées. Oui, c'est mieux que 19. Ensuite, la Commission a proposé en juillet 2016 d'établir un cadre commun pour une procédure commune, c'est-à-dire une procédure qui serait davantage harmonisée et de la réinstallation, ce qui voudrait dire que la réinstallation pourrait devenir un système permanent. Et enfin, on a eu un deuxième programme de réinstallation, c'est toujours volontaire, hein, c'est jamais imposé aux États, un deuxième programme qui a été mis en place pour la période 2017-2019 pour réinstaller cette fois-ci 50 000 personnes. Et selon la Commission, ces réinstallations devraient en priorité s'organiser depuis le Moyen-Orient, mais aussi depuis l'Afrique. Alors que ce soit pour le premier programme ou le second programme de réinstallation, au sein de l'Union européenne, on a une vingtaine d'États qui ont accepté d'y participer. Alors il faut faire un petit peu attention, parce qu'il y en a qui ont accepté d'y participer, mais vraisemblablement, aucune personne n'a jamais été réinstallée sur leur sol. Alors maintenant, on va regarder un petit peu plus en détail en France. La France a signé un accord en 2008, avec le HCR pour mettre en œuvre pour la première fois de manière permanente un programme de réinstallation. Ce programme de réinstallation, il est quand même extrêmement limité, puisque la France s'engage à traiter environ 500 dossiers. Alors dans les dossiers, ça peut comprendre tous les membres d'une famille, donc ça n'équivaut pas à 500 personnes, mais les chiffres sont quand même extrêmement bas. Et surtout, depuis 2014, l'OFPRA a donc développé ce qu'on appelle les missions hors les murs, les missions foraines à l'extérieur. D'ailleurs, je trouve assez symptomatique le fait que la terminologie ne soit pas fixée. En 2014, on parlait des missions extérieures, donc c'était pour répondre à l'appel du HCR pour protéger des réfugiés syriens. En 2015-2016, on parle de missions humanitaires. Bon, c'est toujours pas de la réinstallation. Ces missions humanitaires ont eu lieu au Moyen-Orient, donc Liban, Jordanie, Égypte, et surtout après en Turquie. Et enfin, ces dernières années, donc 2017, 2018 et cette année, des missions, cette fois-ci, le mot réinstallation apparaît dans les rapports d'activité de l'OFPRA. Et la différence avec les missions d'avant, c'est que ces missions ont lieu toujours au Moyen-Orient, mais aussi dorénavant en Afrique, donc au Niger et au Tchad. Et il faut savoir que c'est par ces missions foraines que la France peut participer volontairement aux deux programmes européens de réinstallation. Ce qui veut bien dire que ces missions foraines sont bien mises en place pour répondre à l'appel de l'Union européenne et pour mettre en place concrètement de la réinstallation.
Alors, après avoir montré l'intérêt croissant de multiples acteurs pour la réinstallation, on va déjà regarder les chiffres. Ça permettra de relativiser assez rapidement les choses. Et essayer de regarder si effectivement ces appels se traduisent dans les faits. Donc effectivement, on constate depuis les 20 dernières années qu'il y a de plus en plus d'États qui participent et qui s'engagent dans des procédures de réinstallation. On en reste, selon le HCR, 35 dans le monde. Les premiers pays de réinstallation seraient donc les États-Unis, le Canada, on retrouve aussi l'Australie, donc on y reviendra. Alors ces chiffres, ce sont les derniers chiffres du HCR que j'ai trouvés. Il faut prendre en compte le fait que cet ordre d'arrivée, entre guillemets, va sans doute évoluer puisque aux États-Unis, le nombre, les quotas ont été fortement plafonnés. Ensuite, en Europe, on a donc 14 pays qui pratiqueraient la réinstallation, sachant qu'il n'était que 5 en 2004. Et si on regarde les derniers chiffres, ils sont entre 19 et 22 à se déclarer participer à la réinstallation au sein de l'Union européenne. Donc ces chiffres augmentent. Toutefois, s'il y a de plus en plus d'États qui acceptent de mettre en place des procédures de réinstallation, ce sont les dernières statistiques du HCR, vous voyez que le nombre de personnes effectivement réinstallées est extrêmement faible, puisque plus de 25 millions de réfugiés, on aurait à peine plus de 100 000 personnes qui seraient réinstallées. C'est bon ? Ça a réveillé tout le monde. Là, cette courbe-là, c'est la courbe bleue qui montre les besoins en réinstallation. Donc on constate qu'effectivement, selon le HCR, les besoins en réinstallation ne font qu'augmenter. Est-ce qu'on peut changer ? Si on regarde maintenant, alors ça, ce sont mes propres statistiques, donc elles peuvent comporter certains défauts. J'ai regardé à partir d'Eurostat le nombre de personnes qui seraient réinstallées au sein de l'Union européenne. Donc vous voyez que les chiffres sont extrêmement bas. Et si je me suis pas trompée dans mes calculs de pourcentage, on serait environ 4,5% des personnes qui sont protégées au sein de l'Union européenne seraient réinstallées. Donc pour l'instant, on a beaucoup d'intérêt, mais vraisemblablement, ça ne se traduit pas encore concrètement par un nombre important de personnes réinstallées. Alors que selon les prévisions pour 2019 du HCR, le chiffre le plus important, c'est le chiffre en rouge, 17%. Ce sont les besoins en réinstallation pour 2019 qui augmenteraient de 19%. Donc au regard de cette longue présentation, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir si ces procédures de réinstallation d'admission humanitaire sont-elles vraiment, comme tout le monde semble presque le partager, une solution de protection effective, ou, je vends un petit peu la mèche avant, selon le contexte selon lequel elle est mise en place, une ultime modalité de l'externalisation de l'asile, voire, on peut même aller plus loin, le cheval de Troie du droit international des réfugiés, c'est-à-dire le moyen de contourner encore plus davantage la Convention de Genève. Alors pour essayer de répondre à ces questions, on peut essayer de revenir un petit peu en arrière, parce que effectivement la réinstallation ne date, enfin ces procédures-là ne datent pas d'aujourd'hui. Et je ne serai pas originale en vous disant que regarder un petit peu dans le passé, ça nous permet de mieux comprendre le présent. Alors je vous ai juste remis de manière assez sommaire les opérations, les programmes de réinstallation qui ont existé au cours du XXe siècle. La première véritable opération de réinstallation a été mise en place à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour réinstaller plus d'un million de personnes déplacées en Europe et qui ont donc été réinstallées en dehors de l'Europe.
Mais il est difficile quand même de faire des comparaisons avec cette première opération, parce qu'on était dans un contexte d'après-guerre mondiale très spécifique. Ensuite, lors de la révolution hongroise de 1956, on a 180 000 Hongrois qui ont été réinstallés depuis l'Autriche et l'ex-Yougoslavie vers 37 pays, dont 100 000 en moins de 10 semaines. C'était plus performant avant. En 1972, ce sont 40 000 Indo-Pakistanais de l'Ouganda qui ont été principalement réinstallés en Grande-Bretagne. En 1973, lors du coup d'État au Chili, on a donc 45 000 Chiliens qui ont été réinstallés dans toute l'Europe. Et bien évidemment, l'opération de réinstallation la plus connue et la plus massive de l'histoire concerne les Indochinois dans les années 70. Donc sous les auspices du HCR et des deux accords internationaux adoptés lors des conférences internationales de Genève en 79 et 89, on a eu plus de 800 000 personnes qui ont été réinstallées aux États-Unis, 138 000 en Australie et au Canada, 95 000 en France. Je vous invite à ne pas oublier les chiffres du second programme européen de réinstallation, donc qui concerne tous les pays européens, et nous sommes à 50 000. Nous avons réussi à réinstaller 95 000 personnes dans les années 70, seulement en France. Voilà. Alors, malgré la spécificité de tous ces différents programmes, on peut essayer de regarder quel est le point commun des programmes qui ont eu lieu au cours du XXe siècle, pour essayer de voir si on peut les comparer à ce qui se ferait aujourd'hui. Alors, il me semble que tous ces programmes ont été mis en place pour faire face à un afflux assez massif, mais ponctuel ou limité dans le temps, de personnes. Donc, ce sont plutôt la réinstallation était envisagée comme une solution plutôt ad hoc, temporaire. Ensuite, c'était une solution de protection durable pour des personnes de même nationalité. C'est-à-dire que leur identification a plutôt fonctionné sur la base d'une reconnaissance prima facie, c'est-à-dire quasiment sur leur seule nationalité. Et donc là, on peut peut-être avoir un point de comparaison avec ce qui s'est passé pour la réinstallation des Syriens et encore, mais du coup, on ne peut pas comparer avec ce qui se passe pour les missions foraines de l'OFPRA en Afrique, puisqu'il n'y a pas a priori d'identification à partir de la nationalité des personnes. Ensuite, la réussite de ces opérations de réinstallation tient vraiment à l'établissement d'une véritable coopération des États de transit, de premier asile et d'accueil. Et surtout, ce qui me semble le plus important, c'est que toutes ces opérations, tous les États qui ont participé à ces opérations avaient un intérêt politique à le faire. Nous n'étions pas du tout dans le même contexte de blocage des frontières et de suspicion à l'égard des demandeurs d'asile. Alors on peut peut-être considérer que ce n'était pas un intérêt de protéger directement les réfugiés, mais un intérêt idéologique et politique, mais sans doute peu importe, les faits étaient que ces personnes pouvaient être réinstallées en nombre. Donc finalement, les opérations de réinstallation qui ont eu lieu au cours du XXe siècle, ce sont plus des solutions plus ponctuelles, politiquement très motivées et fondées sur une forte coopération des États. Donc on peut considérer que par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, la situation est quand même bien différente. Alors si on regarde justement les programmes de réinstallation qui existent aujourd'hui, essayons de voir quelles sont les caractéristiques, les modalités précises des programmes de réinstallation qui se sont mis en place et qui se sont multipliés ces dernières années. Alors, de manière générale, si de plus en plus d'États participent à ces programmes, de manière générale, ce qui ressort, c'est quand même une grande confusion sur la mise en place de ces programmes. Ils sont très divers, ils sont très multiples, ils varient d'un État à l'autre. Et généralement, les procédures sont loin d'être transparentes.
Alors, je vous ai un petit peu listé cette cacophonie dans la mise en place de ces programmes. Première chose, les programmes qui sont mis en place sont souvent divers et multiples, c'est-à-dire qu'on a parfois des programmes permanents, donc ça c'est souvent les pays qui traditionnels qui pratiquent la réinstallation depuis longtemps, mais on a aussi la mise en place de programmes temporaires. Si on prend la France, on a bien un programme et permanent et des programmes temporaires. Le programme permanent, c'est l'accord de 2008 avec le HCR. Et on a des programmes temporaires, des missions foraines, qui répondent aux programmes européens qui, eux aussi, ne durent que 2 ans. Donc on n'a pas du tout de stabilité dans le temps. Si on regarde aussi la base juridique, on peut se rendre compte qu'ils ne sont pas toujours inscrits dans la loi, ces programmes. Alors on a une exception peut-être en France, puisque la dernière loi vient d'inscrire à l'article L714-1 du CESEDA la réinstallation. Je vous le cite, les autorités en charge de l'asile peuvent organiser, le cas échéant, en effectuant des missions sur place, la réinstallation à partir de pays tiers à l'Union européenne de personnes en situation de vulnérabilité relevant de la protection internationale. Ces personnes sont autorisées à venir s'établir en France par l'autorité compétente. Mais c'est la seule base juridique législative que l'on a. Comment est organisée la procédure? Nous ne savons pas. Et si on... Je vais revenir ensuite, mais a priori, ce sont que des personnes qui sont en situation de vulnérabilité qui relèvent de la protection internationale. Or, selon les propos, selon la confirmation qu'on a eue de Pascal Brice, quand il fait des missions foraines en Afrique, c'est pas sur le critère de la vulnérabilité. Donc a priori, on n'est pas sur cette base juridique-là. Donc comme ces exemples l'illustrent, la multiplication des programmes de réinstallation ne signifie quand même pas encore qu'ils font partie intégrante de manière permanente de la politique nationale de l'asile. Et surtout, dans la mesure où ils ne sont pas inscrits dans la loi, il y a quand même très peu de stabilité, de sécurité juridique et d'encadrement juridique possible. Ensuite, c'est sans doute la conséquence de la superposition de tous ces programmes de réinstallation. Les procédures de sélection sont elles aussi, que ce soit en France ou dans d'autres pays européens, très variables. On a à la fois de la réinstallation stricte, c'est-à-dire que c'est le HCR qui identifie les personnes, qui propose des dossiers à la France, et la France va se prononcer pour telle ou telle personne. On a plus des procédures d'admission humanitaire, donc là, dans ces cas-là, on remet l'OFPRA dans la boucle, et ce sont les officiers de protection qui, eux, vont sur place pour sélectionner, identifier, je ne sais pas ce qu'il faut dire, les personnes qui elles-mêmes ont été déjà pré-identifiées par le HCR. Et on a aussi un intérêt qui se développe pour le parrainage privé, donc on passerait par le biais des associations. Si on continue, les critères de sélection sont là aussi de plus en plus... ils ne se limitent pas aux critères de l'article 1 de la Convention de Genève. On va ajouter des critères additionnels. Alors, déjà, on a les quotas. Donc, numériquement, à partir du moment où on a atteint notre quota, il n'y a plus de place possible. Ensuite, on a ce qu'on appelle donc les critères, on peut avoir des critères de nationalité. C'est ce qui s'est mis en place pour le premier programme de réinstallation européen pour les Syriens. Donc on peut considérer qu'effectivement, ce programme a été mis en place pour répondre à une crise spécifique, donc il n'est pas tout à fait illégitime de sélectionner seulement les Syriens. Mais pour les missions foraines en Afrique, ce n'est pas le cas. On a d'autres critères qui viennent encore s'ajouter, le critère de vulnérabilité. C'est ce qui s'applique pour les programmes de réinstallation depuis le Moyen-Orient. Pour l'Afrique, ce sont plus des critères d'intégration. Liens familiaux avec la France, capacité à s'intégrer, donc on suppose que c'est lié à la formation. En tout cas, tous ces critères viennent encore plus restreindre le potentiel d'éligibilité des personnes.
Et de la même façon, on va rajouter cette fois-ci des critères d'inéligibilité, c'est-à-dire qu'on va rajouter des critères de sécurité. Or, tous ces critères, ils sont à la fois, ils ne sont pas tout à fait transparents, on ne sait pas exactement comment ils sont mis en œuvre. Pour l'instant, c'est plutôt à la discrétion des instances qui les mettent en place. Et il faut rappeler, si on prend par exemple les missions foraines, les personnes ne sont pas accompagnées par un avocat, n'ont pas d'accompagnement juridique, la décision n'est pas formalisée, donc on ne sait pas pourquoi ils ont pu être sélectionnés ou pas, il n'y a pas la possibilité de faire appel, donc on a très peu de visibilité, d'encadrement sur ces critères-là. Alors surtout, et là je vais redire finalement ce qu'a dit Claire Rodier, je crois que ce qui pose le plus de difficultés, d'interrogations, voire de méfiance, c'est le cadre dans lequel la réinstallation a été mise en place. La réinstallation, les autorités, les instances européennes ont commencé à s'y intéresser au moment où on a parlé de l'externalisation, au moment où s'est développée ce qu'on appelle une approche dite globale des migrations, où le but est de, soi-disant, avoir des migrations mieux organisées, mieux ordonnées, mieux gérées, mieux planifiées. Je pense qu'on peut simplifier et résumer, ne plus avoir d'arrivée spontanée aux frontières. Ce qui veut dire que la réinstallation, elle fait partie d'une logique et d'un contexte qui est toujours le même de suspicion à l'égard des demandeurs d'asile spontanés. On veut pouvoir savoir qui arrive à l'avance pour ne plus avoir d'image de personnes qui arrivent spontanément. Et finalement, la réinstallation est bien intégrée dans une politique de blocage des frontières. Elle fait partie de cette même logique. Si on ajoute à ça la signature de l'accord Union européenne-Turquie, on constate bien que la réinstallation fait partie du marchandage politique qui a été signé. La réinstallation des réfugiés syriens, c'est la contrepartie du renvoi de tous ceux qui sont arrivés spontanément sur les frontières grecques. Donc la question, c'est est-ce que ce modèle peut être reproductible ailleurs ? Et si on regarde les plateformes régionales de débarquement qui ont été évoquées en juin 2018 par l'Union européenne, comme de par hasard, la réinstallation réapparaît au cœur de la mise en place de ces plateformes. C'est bien le mot réinstallation qui est utilisé. Donc la réinstallation fait bien partie de la même logique de mise à distance, en tout cas, des réfugiés et des migrants. Donc finalement, il reste deux diapos. Finalement, on se rend bien compte que la réinstallation, telle qu'elle est aujourd'hui pensée, et d'ailleurs l'Union européenne parle d'un outil stratégique, c'est le mot stratégique qui est utilisé. On peut quand même se poser la question si l'admission humanitaire, pardon, n'est pas un retour ou la continuité, on aurait pu le mettre, de l'externalisation des procédures d'asile, car la réinstallation contribue à la mise à distance des réfugiés. Elle sert d'alibi au blocage des frontières et permettrait même de servir d'alibi au renvoi des demandeurs d'asile dans un pays tiers pour y instruire leurs demandes. Elle permet de développer la mise en place de procédures d'instruction de l'asile qui est bien délocalisée à l'extérieur des frontières de l'Union européenne, sans que le droit européen ne soit automatiquement appliqué. Et elle permet de promouvoir une procédure d'identification des bénéficiaires d'une protection internationale qui n'est pas juridique, qui n'est pas encadrée juridiquement, mais qui est à la discrétion des États. Donc, pour conclure, quel bilan peut-on tirer ? La réinstallation peut-elle être une véritable solution de protection ? Sans doute oui, mais il faut y mettre des garde-fous, des conditions. La réinstallation ne peut être une solution de protection que si elle est complémentaire des demandes d'asile spontanées, c'est-à-dire qu'elle ne vient pas en remplacement
de la possibilité de demander l'asile spontanément aux frontières, si elle est autonome de la politique de blocage des frontières, et surtout si elle concerne un nombre suffisamment important de personnes, parce que vous l'avez vu au début de la présentation, pour l'instant, la réinstallation sert comme un alibi, mais pour des personnes dont le nombre est extrêmement limité. Sinon, dans le contexte dans lequel elle est aujourd'hui organisée, on peut sans doute, et je crois qu'on peut considérer que c'est une modalité, une autre modalité de l'externalisation des procédures d'asile et un moyen de développer encore plus un asile qui serait seulement discrétionnaire et pas seulement encadré juridiquement par la Convention de, Genève. Et pour l'instant, sur la mise en place de ces garde-fous, est-ce que c'est bien complémentaire des demandes d'asile spontanées? Est-ce que c'est bien exercé? Par exemple, est-ce que les entretiens de l'OFPRA, quand ils ont lieu à Fontenay ou au Niger et au Tchad, s'organisent de la même façon? Pour l'instant, nous n'avons que la parole de Pascal Brice. Donc ça me paraît assez limité. Je vous remercie. Il n'y a pas la...